Bonjour à tous, dans cette vidéo, vous allez découvrir comment créer un e-book avec Canva, comme celui qui s'affiche ici à l'écran, là, je ne sais pas où, et que je vais vous aider à créer rapidement et de façon la plus simple possible grâce à l'outil Canva. Alors, un e-book, c'est quoi? Ben, c'est un livre électronique, c'est un document PDF que l'on construit, mais je vais vous en parler, soyez patients, je vais tout vous expliquer. En utilisant Canva, l'avantage, c'est que vous n'avez pas les besoins techniques comme ceux qui sont nécessaires pour réussir des produits de qualité, comme dans les logiciels Adobe avec InDesign ou d'autres logiciels de ce type-là. Ils sont puissants, certes, mais ils sont complexes. Alors, dans Canva, tout est fait pour qu'un débutant puisse démarrer. Cependant, il s'est évidemment complexifié avec le temps puisqu'il offre de plus en plus d'options. Ces options sont très simples, mais il faut les connaître. Il faut avoir accès à ceci, à cela, pardon. Donc, je veux ici vous partager étape par étape les étapes. Un étape par étape pour réaliser votre e-book sur Canva. Pourquoi et comment? Ça, c'est une question pour le chaman digital. Do it! Salut, c'est David, bienvenue sur la chaîne des entrepreneurs qui veulent se développer sur le web grâce à leurs connaissances. Si vous êtes nouveau, songez à vous abonner pour découvrir chaque semaine les outils qui vous aideront à devenir un entrepreneur à succès sur le web. Pas de langue de bois, pas de vendeur de rêves, 100% pratique, vous avez une expérience, vous avez une expertise, on la partage sur le web et on la monétise. Les liens mentionnés dans la vidéo sont toutes dans la description. Alors, e-book, pourquoi et comment, c'est parti. Mais avant ça, restez bien jusqu'au bout. Une fois qu'on aura vu comment créer un e-book dans Canva, je vous partagerai avec vous une astuce toute simple pour créer un e-book en 3D avec l'aide, encore une fois, de Canva. Vous allez voir, extrêmement rapide et puissant. Pendant que vous regardez cette vidéo, tiens, je me demande un peu, dites-moi en commentaire si vous avez déjà créé un e-book, sur quel sujet et avec quel outil. Hein? Partagez-nous ça. Vous le savez, j'aime qu'on partage les choses. T'es bien beau là avec ton truc, mais ça sert à quoi en fait un e-book? C'est quoi ce truc? Parce que je sens mes amis qui vont me poser la question, ils vont m'envoyer un petit message, ou des gens là, peut-être vous, David, tu parles d'un e-book, mais c'est quoi? Mais en fait, un e-book, ben, à la base, c'est frais, ça peut être frais. Mais c'est surtout là pour capter des mails pardi, comme dirait Jamy. Mais oui, pardi. Ou des courriels pour mes amis canadiens, parce qu'attention, mail, c'est pas français, donc pour les amis canadiens, le courriel. Donc ça va vous permettre, une fois que vous obtenez ce courriel, de communiquer avec les gens et de leur proposer vos offres. Vous allez pouvoir rentrer en dialogue. Alors évidemment, les mails, ils ont été un peu détruits par les webmarketeurs. Hein. C'est toujours le même problème, c'est que les webmarketeurs usent et abusent des techniques et donc finalement finissent par dégoûter les gens et on reçoit tellement de mails que finalement on ne les lit plus. Mais toujours est-il que ça reste le seul lien vraiment qui vous appartient pour être en contact avec les gens. Donc, un e-book peut servir à capter vos courriels, mais c'est aussi, et surtout dans mon cas qui crée des formations en ligne, un outil de base pour créer votre carnet d'exercices de formation en ligne. Et d'ailleurs, je vais vous partager une astuce pour vraiment faire ça très rapidement. Donc, nous allons partir maintenant sur notre logiciel préféré et nous allons d'abord, évidemment, rechercher un modèle. Alors, attention, petite astuce, si vous tapez « e-book », vous aurez de très beaux modèles. D'ailleurs, beaucoup plus jolis que si vous tapez A4. Et si vous tapez, livret A4, ça sera beaucoup moins sympa qu'e-book. Donc, comme on est dans la version pro, et vous pouvez tester de toute façon la version pro avec le lien que je vous ai mis en description, eh bien, je vais taper e-book et ensuite, je vais le redimensionner en A4 en automatique pour avoir un bon contenu PDF qui puisse s'imprimer facilement pour des élèves d'une formation ou pour des gens qui voudraient travailler dans le document. Donc on va d'abord choisir un modèle, et ici je vais être tout de suite en mode un peu hacker, c'est-à-dire que je ne vais pas aller chercher un modèle qui se trouve dans Canva, il y en a plein, mais je vais aller chercher un modèle qui se trouve dans Creative Market. Donc Creative Market, c'est un site internet qui vous permet d'acheter des modèles de plein d'horizons différents, et il y en a un justement qui est vraiment une niche pour Canva, et où on peut trouver des e-books vraiment très intéressants, et notamment des workbooks, hein, donc des cahiers de travail. Et ça, c'est vraiment très puissant. Je vous le montre, il est là, regardez à l'écran, c'est le workbook que j'ai téléchargé. Ensuite, je l'ai transformé en modèle, et donc j'ai un modèle dans mon dossier Le Chaman Digital sur Canva
qui me permet d'aller le rechercher. D'ailleurs, on le voit à l'écran, on voit que c'est le modèle qui apparaît. Et simplement, quand je clique dessus, il me dit « Voulez-vous modifier le modèle ou voulez-vous utiliser le modèle ?» On va ici utiliser le modèle et on va un peu se rendre compte qu'on obtient d'un coup là 80 pages pour à peu près 35$. Donc ça n'a pas de prix de gagner autant de temps. Donc on prend le modèle et on commence à modifier les contenus. On adapte ça à son outil. Donc évidemment, on peut modifier les textes, on peut changer les images, on peut aussi repartir de feuilles blanches. Vous l'avez compris, c'est vraiment très simple de créer un e-book dans Canva grâce à Creative Market. Une fois que vous aurez fait votre e-book, vous aurez la possibilité de le télécharger au format PDF. Alors, vous avez deux types de formats PDF. Vous avez le PDF qui est un PDF classique et vous aurez le PDF qui est utilisé pour l'imprimerie. Moi, je vous conseille vraiment de prendre le PDF classique puisque ça sera sur le web et ce sera moins lourd. Alors, dans certains cas, ça peut être compliqué d'avoir une numérotation des pages et donc c'est pas quelque chose qui est encore très bien mis en place dans Canva. Donc si vous avez vos pages et que vous avez gardé complètement la structure du Canva que vous avez acheté ou le modèle que vous avez pris sur Canva, vous n'aurez pas de souci. Par contre, si vous avez commencé à bouger toutes les pages, vous allez voir que les numérotations sont compliquées. Donc là, en fait, ça va être très simple. Vous allez simplement aller sur I Love PDF, je vous en parle souvent, et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'après, dans I Love PDF, vous allez demander au logiciel en ligne de simplement numéroter toutes les pages de votre PDF et ça va apparaître dans la couleur que vous avez décidé à l'endroit où vous avez mis votre bulle puisque vous avez un peu calibré tout ça et ça résout le problème de la numérotation. Alors je vous avais parlé de créer le livre en 3D, vous savez ces fameuses images qu'on trouve beaucoup sur les sites internet où il y a des captures de mails où on voit le livre en 3D sur le côté et où on se dit ah c'est sympa quand même. Et on crée comme ça une maquette. Mais créer cette maquette, avant, c'était travailler sur Photoshop, faire des modifications, ça a été compliqué. Et puis, il y a des sites qui sont arrivés, comme Smart Mockup, qui est un site que moi, j'ai beaucoup utilisé et qui va vous permettre de créer de la 3D, en tout cas d'intégrer vos contenus directement sur un t-shirt, sur une tasse, sur plein de choses. Donc, vous allez vous retrouver là, à ce moment-là, avec un contenu qui est très puissant. Et il se fait que depuis très, très peu de temps, Canva et Smart Mockup se sont connectés l'un avec l'autre. Et donc, du coup, vous avez à l'intérieur de Canva des outils qui sont soit les outils de base de Smart Mockup et vous pouvez même transférer votre production Canva dans Smart Mockup pour après les transformer avec votre, par exemple, votre logo sur des tasses, sur des t-shirts, des choses comme ça. Donc avant de passer à ce petit bonus, je voulais toujours évidemment vous faire un petit résumé. Donc un e-book se base sur le principe de la réciprocité. Je t'offre un e-book et en échange, je te donne mon courriel. C'est un principe de base chez l'humain. Donc, l'e-book peut aussi servir de carnet de cours pour mes formations en ligne, par exemple. Il existe des templates sur Canva et d'ailleurs, on en trouve aussi sur Pinterest et notre chouchou, évidemment, au Chaman Digital, c'est Creative Market. Cherchez plutôt des modèles e-book plutôt que des modèles A4. Malgré ce qu'on va vous dire, et en fait, après, redimensionner le modèle e-book en modèle A4, et l'histoire est réglée. Ne pas oublier les liens internes dans votre document grâce à l'outil lien ou au QR code. Alors, on y va pour mon astuce image 3D de son e-book. Donc, vous avez votre e-book, vous aimeriez le mettre en évidence sur votre site, comme sur le Chaman Digital. Vous aimeriez avoir une image d'un livre qui est en 3D. Donc, avant, on pouvait se rendre, par exemple, sur le site de Smart Mockup. Là, on choisissait son modèle, une version gratuite ou payante. On prenait les dimensions de l'image, on repartait sur Canva, on créait la dimension de l'image, on faisait son document et puis on repartait sur Smart Mockup et on créait son document. Et ça avait évidemment un coût à la pièce ou par un abonnement chez Smart Mockup. Jusqu'au moment où Canva et Smart Mockup se sont liés. Dans un premier temps, on pouvait créer des contenus dans Canva et les enregistrer directement dans la base de données de votre compte Smart Mockup. Et puis récemment, ils ont rajouté l'effet Mockup, donc l'effet d'intégration d'une image dans un objet 3D, à l'intérieur carrément de Canva. Donc ça, c'était vraiment révolutionnaire parce que c'est extrêmement simple. Donc je vous montre, c'est tout simple. Hein. Vous prenez votre image, vous la mettez sur la page, vous allez dans les effets des photos, en ayant cliqué sur l'image, dans les effets. Vous prenez Smart Mockup, vous regardez tout, vous allez voir livre, vous choisissez le livre, vous cliquez dessus
et c'est fini. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère vraiment que ça vous a aidé. Je vous rappelle qu'il y a un lien dans la description qui vous permet de tester la version Pro pendant 45 jours au lieu de 30. Je vous offre ici l'e-book que je vous ai présenté dans la vidéo et qui va vous permettre de développer votre activité sur le web grâce à vos connaissances. Si vous voulez continuer d'ailleurs à découvrir Canva, je vous propose ici deux autres vidéos qui vous aident à construire et à diffuser du contenu impactant. Comment planifier les publications dans Canva ou l'autre vidéo qui sont les 20 astuces de psychopathe pour développer ses compétences sur Canva. Laissez-moi un pouce bleu si vous avez appris quelque chose, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous en activant la petite cloche. Ciao les entrepreneurs du web, c'était David pour le Chaman Digital. À bientôt.